Ouais les gars, venez voir ce que j'ai prévu pour tous les membres du Mastermind. Putain de penthouse privé pour tout le monde, avec piscine privée aussi. Et voilà, zone. Et regardez-moi ça, il y a tout l'espace qu'il y a. On va faire des soirées de fous. Les gars, tous les membres là, ils vont péter leur crâne. Regardez-moi cette vue, c'est magnifique. On est tout en haut. Five, Jumeirah, Village. Ici, il y aura des gros culs qui vont twerker. On va faire du sale. Master Sirius, direction Buggy. On va faire du sale. On va vroom vroom. Bon là on vient d'arriver au Buggy. On va faire ça. Coucher du soleil, ça va être magnifique. Limite on va faire ça dans le noir, mais moi je kiffe ça. Faire ça dans le noir, vous savez très bien comment je suis avec les noirs. Let's go les gars. Oui. Ok, wow. Look, they can never keep me down, I'm going. And if I ever fail, just know I'll go again. I never quit, cause I know that every loss may lead to another win. I'm going up. I bet when I land, they gon' tell me it's luck again. See that I'm winning, it's harder to watch. I'm setting the stage, you should give me my prize. You ain't got no soul, you lacking the spirit. You talk out your neck, I'ma show you I'm with it. I've been really happy you to sit and watch me win again and win again and win again. I know it's probably getting old, me and win a synonym. So if I ever win again, it's nobody the minimum. I didn't have to sell my soul. Que ce soit d'un point de vue business ou même d'un point de vue mindset, mentalité, développement personnel. Ça, j'ai beaucoup aimé parler avec lui. Il m'a débloqué deux, trois petites choses dans ma tête. Et je remercie Anto d'avoir organisé tous les trucs. Les gens qu'il a invités, vraiment, c'est des gens qui donnent vraiment beaucoup de valeur. C'est des gens, ils ont déjà accompli dans la vie, dans le e-com, dans tout, vraiment dans tout. Et ouais, c'était vraiment une bonne expérience de les rencontrer. Deuxième jour de Mastermind. Aujourd'hui, on commence direct. Beach Club, là, les meufs. Après, on fait quoi? On fait les yacht party, man. Et ouais, ma mère, moi maintenant je suis un vrai American, where you at? Et là, au yacht, il y aura encore plus de meufs. On va se régaler, ça va être la journée guerre, la journée de la zone. Et ouah. Let it be known, I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me. And hopefully, you understand G.O.D. Maybe this cold and I'm talking like no degrees. It's party, it's all the girls. Hey, you know when I'm trouble. I don't want beef, man. I just want vibes. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then dead, I'm on site. Wrong move, I bet they gon' ride. No need for the telephone hype, nah. Il était déjà dans ses délires. Alors, avant les masterminds, avant tout ça, il avait déjà commencé à accompagner les gens. Il a motivé énormément de personnes à se lancer, à faire de l'argent. Donc j'aimerais que tous ensemble, on se fasse un petit Kayako Bémé. Donc je vais lancer le Kayako Bémé. Et quand je le dis, tout le monde dit Kayako Bémé, vous êtes prêts ou pas? Ouais.
le mot qui me sort en tête, c'est en anglais, c'est eye-opener. C'est, ça ouvre les yeux. Ça montre juste à quel point, peu importe le montant d'argent que tu fais, peu importe ce que tu fais dans la vie, tout dépend de, du caractère que tu as. Le mastermind, incroyable, comme d'habitude. J'ai pu rencontrer d'autres entrepreneurs comme moi. On a pu discuter. Anto, bah, comme d'habitude, hein, il est toujours présent. C'est super cool de voir Anthony, voir d'autres personnes qui font d'autres choses que juste l'OFMIA. Donc on a pu parler business, on a pu parler de tout ce qu'il y a autour de ça et faire des nouvelles connaissances. Et ça, c'est, ça n'a vraiment pas de prix. Pour moi, je me suis dit, c'est une occasion pour pouvoir voir le niveau au-dessus, voir le niveau de vie dans lequel je veux être. J'ai goûté à ça et enfin, tu te dis, tu ne peux pas rester à la hauteur, tu vois. Tu ne peux pas continuer dans ce train de vie où tu n'as pas tout ça, quoi. Quand tu regardes la vue, quand tu regardes les meufs, quand tu regardes le train de vie, enfin, quand tu regardes Anthony Cyrus, il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Bah, le fait d'être entouré, encore une fois, de personnes qui peuvent t'apporter des choses, tu vois, ça te débloque un petit peu dans le business. C'est que de la plus-value en plus, parce que bah, c'est des personnes qui gagnent plus que toi automatiquement et qui peuvent que t'apporter de bonnes choses, tu vois, et t'apprends d'eux, t'es à l'écoute. Donc, Ça m'a apporté surtout de la confiance en moi, dans le sens où moi, j'hésite à me lancer un peu sur les réseaux. Le fait d'avoir parlé un peu hier soir, enfin ce soir du coup, sur le yacht avec quelques personnes qui ont réussi. Franchement, ça m'inspire un peu, c'est des gars qui sont sur les réseaux et je pense que ça peut être... ils m'ont un peu poussé à me dire vas-y, fuck off et lance-toi. Franchement, s'il y a de l'argent, un minimum à investir, c'est là-dedans. Tu fais des rencontres, tu as des idées de business, tu as des conseils. Je pense qu'il n'y a vraiment pas mieux, tu vois, pour débuter. Tu vois. Master Cyrus, là, il était vraiment démoniaque. C'était que la zone en personne. Tous les jours, la zone. Tous les jours, on a fait des choses que les êtres humains qui ne sont pas dans la terre, ils ne peuvent pas comprendre parce que c'est des trucs qu'on fait quand on est dans les airs. Vous avez compris? En mode, c'est vraiment olé olé. Et vous savez quoi? Mais viens, pourquoi tu marches comme c'est ça? C'est toi qui me dis. Vas-y, maintenant. Hey, mais c'est toi, vas-y, viens. Hey, viens, on va demander même à Grégoire, parce qu'au début de la vidéo, il venait d'arriver, et ça, il avait gagné. Un Master Cyrus dans la zone. Bah gros, comme je disais tout à l'heure, c'est explosif clairement. En termes de relationnel, moi j'ai pour le coup c'est un premier mastermind que je fais et j'ai eu la chance de le faire avec toi. Je te remercierai jamais assez. Tu m'as donné l'opportunité et cette chance. Et comme je t'ai dit, je tiens mon cadeau, je reviendrai à Dubaï et on vient tout déchirer. Là comme je disais aussi tout à l'heure, j'ai closé 3 modèles hier soir sur le yacht. Et là maintenant, go charbonner en France. Puis j'espère que la prochaine fois qu'on se verra, je chiffrerai au moins du 30K par mois, tu vois. Inch'Allah, comme on dit. Et voilà. Un dernier mot pour les membres de la zone. Parce qu'il y en a plein qui vont nous voir, qui font partie de la zone. Yes, bah écoutez, l'équipe, surtout ne lâchez rien, soyez déterminés. Anthony, il est là, il y a toute son équipe qui est là. Faut rien lâcher, c'est super important. Le mindset. Et si vous voulez du cash, il faut être déterminé dans la vie. Voilà. Voilà, merci. Bisous, pour ces bons mots. Merci encore, Anthony. Hey, j'ai kiffé de faire venir. Merci. Là, on a kiffé. Merci. Ensemble. Ouais, grave. C'était incroyable. Magnifique. Magnifique. Et je vous fais des gros bisous. Fin du Master Cyrus. Anthony Cyrus out. comme il fait Kanye West là. Non, c'est qui? C'est... Droppe le mic. Ouais, je droppe le mic. Je voulais juste dire un dernier truc pour tous les gens qui sont pas encore dans la zone. Dans la description, vous pouvez rejoindre la zone pour seulement 97$ par mois. Dedans, tu as tout ce qu'il faut pour réussir dans l'OFMIA. J'ai mis des coachs, il y a des lives. Toutes les semaines, il y a des lives. Je fais même un live par semaine où tu peux me poser des questions, etc. Dedans, tu as tout. Même une formation complète, chatting, etc. Et tu verras que tu feras des sous. Et il y a plein de cadeaux aussi, comme par exemple bah, Grégoire qui a gagné un Master Cyrus avec moi à Dubaï. Donc on se voit de l'autre côté pour 97$. C'est même pas 85€, ça fait même pas 3€ par jour. C'est le prix d'un sandwich, mon frère. Sauf que là, je t'apprends à faire du bif. Et si t'es chaud, tu peux le rentabiliser le jour où tu rentres dans la zone, tout simplement. Donc on se dit à tout de suite dans la zone, ou alors à tout de suite dans le zizi de la coco maya bémé.